trois jours avant de partir du foyer. Sérieux? Tu te tapes? Il s'est passé quoi? Sur le trailer d'Enzo, il me casse les couilles. Eh, moi, je peux pas faire ma gueule devant tout le monde, mais déjà. Ah bon, toi, y'a un mec qui te provoque et tu rentres dedans comme un mongol. C'est quoi, t'es con ou quoi? Tu veux rester ici trois mois de plus, c'est ça? Tu sais que je suis censé dire à la juge toutes les conneries que vous faites. Pour valider ou non votre sortie, je fais quoi, moi, maintenant? Je fais quoi? Je sais pas, moi. Tu sais pas? T'as joué le jeu jusqu'à aujourd'hui. Alors je vais te laisser une dernière chance, mais sur la vie de ma mère que c'est la dernière. Je t'ai entendu rappeler l'autre jour dans ta chambre. T'es jamais venu au cours d'écriture que j'organise. T'as pas honte, franchement? Donc demain, tu ramènes ton cul à la séance et je veux rien savoir. Eh, moi, c'est pas mon délire, ça. Moi, je préfère rapper dans mon coin. Pas rapper devant les autres cons, là. Vas-y, c'est gênant, frère. Tu vas venir et tu vas te taire. C'est ça ou la juge, je t'ai dit, t'as pas le choix. T'arrives quoi, là, en fait, Mehdi? J'ai pas compris, là. Comment ça, il m'arrive quoi? Comment ça, il m'arrive quoi? C'est pour toi que je fais ça, Dylan. On parle entre hommes, là. Je compte sur toi ou pas? Vas-y, ok, c'est bon, ce sera. Tu viens, je te fais un dossier nickel pour ta sortie, t'inquiète même pas. Je t'ai déjà menti, moi? C'est dehors, tu bosses avec des gars en studio. D'ailleurs, je vais te laisser mon numéro. Passe-moi ton stylo, s'il te plaît. Merci. Je vais te laisser mon numéro. Et dès que tu auras remis de l'or dans ta vie, tu m'appelles. J'en ai vu passer beaucoup ici. T'as vraiment un truc en plus. Alors gâche pas ça, s'il te plaît. Tiens, tu le donnes à quelqu'un, je te savate. Toi. Mehdi, c'était vraiment un bon. On m'a parlé. On peut avoir dernier recours. Je suis pas expert, mais c'est pas un peu excessif quand même. Ma, on risque la peine capitale, là. Ali, monsieur Chourna. Hamd. On est venu pour nous aider. Chourna, chouïa, là. Pardon. Un peu quand même, non? Bah, pour l'assaisonnement, il n'y a pas de compromis, mon gars. Tu prends ton costume de sapin, et c'est tout. Rédi, qu'est-ce que tu as? Rédi, qu'est-ce que tu as? Monte ta gueule. Rentre dans la voiture, monte. Vous avez vu le classico ou quoi? Tu l'as vu? Tiens, tiens, frère, tiens, c'est comment, frère? Je vais prendre la manette, je vais te l'éclater sur la tête. Oh, tu joues à quoi, là? C'est bon. Moi, je prends une frite, enfin, je me sers, je prends une petite frite et... Tu fais quoi, là? C'est mes frites, ça. Ça renfle, ça me bat. Ça renfle. Bon, de toute façon, j'allais partir, là. Tranquille. Tu vas partir où, toi? Bon, partir en voyage. Ce qu'il raconte, lui. Pause, pause. Tu vas partir en voyage. Hey, Moussa, tu l'entends? Tu vas où, toi? Bon, si vous voulez tout savoir, les gars, je pars à Los Angeles. Non, là, ben regardez, tiens, vérifie. Tiens. Ça s'appelle UCLA. Ma parole, c'est écrit en américain. Hippolyte de Beauregard. C'est toi, ça? Billet d'avion? Billet d'avion. Non, pas le billet d'avion. Attends. Mais genre, l'école gratuite, genre. Viens, Malik, viens. Ah, mon gars, la star. Bon, Malik, tu veux boire un truc? Tu veux manger un petit truc, là, ou quoi? Je peux jouer à la play. Bien sûr. De ouf, frère, viens jouer. Djibril, passe la manette. Tranquille. Toi, tu veux. Vas-y, arrête, arrête. C'est vraiment plus.